bienvenue à Saint-François, en pleine station nautique, avec un environnement exceptionnel, puisque présent dans la marina, en plein centre-ville, plus de 200 anneaux, un taux de remplissage à 100%, et dès 2013, 40 places supplémentaires dédiées exclusivement aux bateaux de passage, pour accueillir les bateaux qui veulent s'arrêter chez nous, mais aussi être prêts, fin prêts, pour 2013 et pour 2014, date de la route du Rhum, à accueillir cette route du Rhum, sans doute avec des opérations portées sur les 50 pieds, mono et multicoque. Alors ici, la marina de Saint-François se situe en plein centre-ville, mais à proximité du seul golfe de la Guadeloupe, dans un environnement festif, un environnement ludique, sécurisé, et à proximité de nombreux commerces, de nombreux hôtels, prêts à créer une animation toujours dédiée, familiale, dans une zone touristique. On a là tous les agréments d'un passage qui sans doute laissera des traces indélébiles, tournées bien entendu autour des activités nautiques. La marina de Saint-François, totalement rénovée dès 2008, est en capacité aujourd'hui d'accueillir le plaisancier, mais aussi d'accueillir des grandes manifestations qui se passent sur l'eau. C'est le cas en particulier du tour de la voile habitable, organisé par la Triskel, mais aussi des acteurs locaux, comme le Yacht Club de Saint-François, qui organise le trophée de Saint-François, un trophée open de voile, et qui traditionnellement recentre tous les voileux de la Guadeloupe, mais aussi des îles voisines. La fête du poisson en 2013, du nautisme, et Fishing Festival qui prend date à Saint-François pour la deuxième année consécutive. La pêche au gros, toute la glisse, le kayak, mais aussi de tout ce qui fait notre charme, notre authenticité, notre identité, la voile traditionnelle. Le tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnelle en est l'élément moteur. Et nous avons à Saint-François beaucoup d'équipages, d'ailleurs des équipages mixtes, des équipages féminins. Ici, tout autour de la mer et de ses 35 km de littoral. Nous sommes armés définitivement pour faire de Saint-François le pôle d'excellence du nautisme de la Guadeloupe.